Qu'est-ce que vous faites comme métier, Laura ? Je suis opératrice composite et je travaille en 2-8 actuellement pour le groupe Beneteau. Et là, je vais rejoindre mon équipe car aujourd'hui, on est en assemblage. On peut vous suivre ? Oui, bien sûr. Ah, ça y est presque. Là, c'est bon. Je peux vous demander en quoi consiste votre métier ? Mon métier consiste à préparer et assembler les bateaux lagunes. Vous travaillez avec quels matériaux ? On travaille avec des produits chimiques, comme la résine, le catalyseur, de l'acétone aussi, on manipule beaucoup de produits comme ça. Qu'est-ce qui vous a conduit à venir travailler chez le groupe Beneteau ? J'ai fait une visite par Pôle emploi de l'entreprise sur une journée où on a vu tous les bâtiments, où à la fin ils nous proposaient une formation pour rejoindre les équipes de CNB. Et du coup je me suis lancée, ça me convenait. Vous travaillez avec une équipe de combien de personnes ? On est une dizaine de personnes, une dizaine. Il y a une bonne ambiance ? Oui. Je suis la seule femme mais tout va bien. Là en gros, ça t'as les goupilles qui doivent passer ici. Qui doit venir. Ah ouais, d'accord. De l'autre côté, donc, pardon, il y a que là ? Là, tu dois en avoir 4 normalement. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier ? Le côté physique. Et qu'on s'ennuie pas. Il y a des étapes de formation dans votre parcours ? Oui, il y a la formation pont, du coup, pour les utiliser. Formation machine. Formation harnais pour pouvoir monter dans le bateau en haut. Bon, je vous entends plus là. Abdé ! C'est un des premiers qui m'a accueilli en tant qu'intérimaire, un des premiers qui m'a appris à draper. Bonjour. Bonjour. C'est un bon élément, Laura ? Franchement, rien à dire. Ah. Techniquement, il s'applique, bah. De toute façon, ça va aller. Ça vient ? Ouais, ça va. Il y a BFM qui filme. Du coup, tu leur montres comment ça marche. Ouais, et tout. Ouais. Allez, c'est génial. Quelles sont les qualités pour vous qu'il faut avoir pour pouvoir prétendre au poste d'opérateur composite ? Il faut être manuel. Il faut être à l'écoute. Il faut savoir s'adapter rapidement. Il faut être curieux, il faut pas hésiter à poser beaucoup de questions. Et qu'est-ce qui vous plaît sur le fait de travailler sur des bateaux ? Le fait que ce soit un produit de luxe, c'est peu commun de dire qu'on travaille à la construction navale à Bordeaux. C'est ça qui me plaît. Fini ! Coupé ! C'est vrai, c'est fini ? Vous venir boire votre café.